Et voilà, chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore sur Cameroun Vision. C'est parti pour cette deuxième édition que nous consacrons au séjour de la délégation venue des États-Unis d'Amérique pour un mois de découverte du pays des lions indomptables. Le pays de Nicolas Nkoulou, objet donc de la curiosité de ce groupe d'Américains qui avait l'intention tout simplement de découvrir le continent africain. Et quoi de mieux que le Cameroun lorsque nous avons envie de découvrir tout ce qui est touristiquement prescriptible sur le plus vieux continent du monde, Cameroun, encore appelé Afrique en miniature. Une première édition d'ailleurs a été consacrée à ce périple-là. C'était toujours dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous étions partis des chutes historiques de la Métché au lac de cratère Bala, encore appelé plus simplement lac Bala, en passant naturellement par la chefferie Bamungoum et son musée des Calebasses. Pour cette deuxième édition, nous allons rester dans la région la plus à l'ouest du pays, en allant du côté de Bonjoun déjà, donner à découvrir le rituel des funérailles en pays Bamileke, chez ces étrangers venus de très loin. Juste derrière, on ira à la découverte de l'une des destinations, j'allais dire l'une des futures destinations les plus prisées du continent africain pour ce qui est de sa partie centrale. Il s'agit du village touristique de Bangou, encore appelé Taguidor Garden. Tout ceci avec l'aide du gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awafonka Augustine. Première partie donc de cette deuxième édition consacrée au périple américain. Direction Bonjoun, c'est maintenant. Nous sommes au lendemain de notre séjour à la résidence du gouverneur de l'Ouest partant du centre-ville de Bafoussam pour le quartier Kwa à Bonjoun. Notre séjour à Bonjoun commence par un recueillement sur la tombe de Papa Fokam inhumée la veille. Nous sommes ici ce jour pour donner à découvrir à nos amis américains le rituel des funérailles en pays Bamileke. Tout commence plutôt bien avec le premier tour de deuil. Nos amis se délectent à regarder la scène avant d'être invités à la danse par Patrick Hervé Fotso, pour qui la délégation américaine est là et vous saurez pourquoi. Oh.
Nous sommes là au motif d'apporter notre soutien à la famille du défunt avec en tête de file Patrick Hervé Fozzo. Ami d'enfance, aujourd'hui naturalisé américain et arrivé de Californie, d'où ses moments de convivialité entre compatriotes américains autour d'un bon menu camerounais. Retour ensuite à Sky Garden pour quelques minutes de repos. Avant l'entame de la deuxième partie de la journée, laquelle nous amène de suite à Bangou, dans le département des Hauts Plateaux. Nous y sommes invités par le gouverneur de la région de l'Ouest que nous suivons dans le véhicule noir d'en face, sur un parcours qui nous offre une belle vue de Bangou. Bangou nous accueille par un copieux déjeuner à la résidence Nana. Puis commence la visite de l'unique site, objet de notre déplacement. Le Taguideur Garden, hôtel 5 étoiles, modèle resort en chantier. Village vacances, futur centre touristique prestige au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le tourisme. Et aujourd'hui, c'est l'histoire. Et c'est intéressant de voir et de connaître. Je peux vous dire que il y a des gens ici qui ne connaissent pas. Mais pourtant, il y a des familles qui ont été impliquées dans cette histoire. Et au niveau de Bangou, on parle là-bas, il y a des traces, il y a des statuettes qu'on a érigées pour démontrer le passage des esclaves dans la région de l'Ouest. Le chef est là pour vous tracer l'histoire, comment, d'où il venait, comment il traversait l'Ouest pour descendre jusqu'à Bimbouya, d'où ces esclaves venaient avant d'arriver, avant de traverser la région de l'Ouest. Donc, c'est une histoire, tant qu'on n'a pas, quand ces touristes viennent, surtout les Noirs américains, je crois qu'il est de notre devoir de les dire, de les enseigner, de les parler de cette histoire. Je crois qu'ils sont passés ici, ils étaient très fiers. On les a amenés à Bangou pour goûter paix. Et voir aussi le nouveau Bangou, Bangou de l'époque de l'esclavage et le Bangou d'aujourd'hui qui sera une autre destination touristique d'un autre genre avec le Taguideur Garden qui est en vue. Et avec d'autres investissements d'État qui sont de ce côté-là. Donc, moi je suis content qu'ils étaient rentrés très contents et positifs de notre pays. Je souhaite qu'ils reviennent ou ils encouragent d'autres de revenir dans notre région pour qu'on puisse partager cette histoire. Parce que des fois, quand on en parle, c'est très très intéressant et c'est un plaisir pour moi. Et au nom de l'État, en tant que responsable administratif, de parler de cette région du point de vue politique, économique, social et bien sûr culturel, ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est le promoteur du projet en personne, le sieur Francis Nana, qui nous servira de guide. Nos Américains, dès l'entame de la visite déjà, sont impressionnés. L'ensemble du complexe étant sur 20 hectares, composé de bungalows ultramodernes. Un jardin botanique abritant des espèces rares souvent importées. Un zoo et une ferme. Des centres d'équitation, de conférences et de remises en forme. Des terrains de football, de basketball et de tennis aux normes internationales. Ainsi qu'une vaste plantation de 3 hectares destinée à l'agriculture bio. Yes.
de le tien, s'il y a aucun doute. What's your appreciation of the place? Oh. Of my appreciation? Ridiculous. Oh, yes. Il y a de grandes lampes là, ce soir ça va, c'est très éclairé. Je suis un peu Donc ça c'est la scène. This is a stage, where's that? Coming off this back here, and echoing down in the scenery in the back. I know. Oh my goodness. Il a froid? Non, il a pas froid. Non, pas les moumoutes, la chair de poule. Ouais, la chair de poule. Ce centre comptera un nombre des sites d'hébergement des équipes à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, poule de Bafoussam, qu'organisera le Cameroun en 2019. Voilà donc comment se prépare la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2019 au pays des Lions Indomptables, dans la partie occidentale. Nous sommes donc à Bangou et à Taguidor Garden. Taguidor Garden qui s'illustre comme étant, on va dire, le site éponyme du parc hôtelier de la partie occidentale du Cameroun. Exactement le genre de place qu'il vous faut pour prendre des vacances pour ceux qui ont l'habitude de décrocher du côté de l'Europe ou des Amériques, j'ai envie de dire. Désormais, nous avons une destination dans la partie ouest du Cameroun, Taguidor Garden. Vous en avez eu la visite guidée. See you in the polo.
beni bwamba nemba nande mwana moto oh yene kombo banande nemba nande e pasa moto sake na jai pe bwamba oh mandama. Chaufferie Batoufam nous tend ses bras ce jour pour une deuxième plongée dans les traditions et autres coutumes bamileke. Petit maman. La joie et le bonheur de découvrir ces cases typiques Grassfield se lient sur les visages. L'heure est aux poses photo. Il faut immortaliser ces moments magiques. La visite du musée à ciel ouvert de Batoufam commence par l'atelier de fabrique d'œuvres d'art. Batoufam est l'une des rares chaufferies bamileke à en posséder une. Bonjour, soyez la bienvenue. So you guys are welcome. Happy to have you. My name is Ibrahim. I'm the king sculptor because king has his personal sculptor since 2004. Ça fait plus de 25 ans que je suis sculpteur. It has been 25 years that I have been doing this. I've been sculptor for 25 years. Vous voyez ici, l'atelier est petit. My studio is small, but I do a lot of things here. Si c'est des tabourets, si c'est des masques. I do chairs, masks. Et si c'est les estafettes, pas tellement grandes de nature. The big one, the small ones. Des tam-tams, des tambours. The drums. Donc tout se passe ici. Et quand c'est des piliers, parce que les piliers, parfois ça va. I do poles, and poles can be very tall. Ici, là, je travaille à l'air libre. If I don't, because poles are tall for the buildings, I have to do it outside. Bon, présentement, je suis en train de travailler sur des piliers sculptés, des piliers. Et mon collègue, lui, il travaille sur des chaises, mais à l'extérieur. Okay. Parce que les piliers étaient plus longs que la pilier. So, I'm currently working on the pole to
sustained buildings like the one you guys saw at the entry. So I sculpt them, and my colleague is doing the chairs. But the pole, because they're very tall and that for buildings, I have to do it outside. But here we just do like a small sculpture. Ici, tout se passe à la main. Everything is hand. Il n'y a pas de machine. There's no machine. Et c'est pourquoi sur le marché, on peut vous proposer du prix. Okay, that's why you have two prices. C'est parfois le temps qu'on a pris pour sculpter sur un tabouret. Bon, là, par exemple, ça c'est un bois qu'on appelle Ngumba Mbatifang. That is the tree from Ngumba. C'est pas tellement dur. It's not that hard. No. This one is not that hard. And that's why you go to the market and they will give you different price. Depending on what kind of wood they use. Il y a certains bois qu'on peut prendre, je peux prendre même 3 jours pour sculpter un tabouret. Some wood I have to spend 3 days to even. Tu vois qu'en une journée, je sors un tabouret. So some other ones I only need to pay and I'm able to finish the work. So all this depends, and that's why on the market you guys will have different prices. How long did it take to do something like that? So that's what he was saying, that if it depends, on the type of wood he's working with, it can take him 3 days. Est-ce que quelqu'un peut acheter une boîte même s'il n'est pas initié? Si c'est pour se partir Visite de la galerie d'art, salle d'exposition des objets, fruit de cette fabrique ensuite. Occasion de faire au passage quelques emplettes. We're coming back, there's no problem. C'est l'original? Non, c'est pas l'original. C'est pas l'original. Okay. Parce que l'original, généralement, ce sont les rois et tout ça. Okay. Comme ça n'existe plus beaucoup. Only the kings have it. And one piece like this, it doesn't exist anymore. No, it comes from the sea. La visite de la chaufferie Batoufam est repartie par cours et nous sortons là de la première. Appelée la cour des artisans, dirigée par Ibrahim. Direction à présent, la deuxième cour qui est celle des réunions et des rassemblements. Paul, la guide principale du village, rentre en scène. Pour le bonheur de nos amis américains qui en auront pour leur compte. Kingdom does not belong to the king, but kingdom belongs to the population. Our own population will have a kingdom, we need the place where we can meet together and discuss about the problem and not asking the permission to the king. On the left is the place where women can play the first word of the week. And on the right is the place where the men can play the sixth word of the week. Traditional day in the West region have 8 days. And 18 days we say is the day of the king. But no, it's not the day of the king, it's the day of the population. Because this day, we remove the power of the king. En pays Bamileke, la chaufferie n'appartient pas au chef, mais à toute la population. Il en est juste gardien et cette cour a pour fonction, entre autres, de faciliter le dialogue entre son peuple et lui. Car réduisant considérablement le protocole et les étapes à franchir. Nous sommes à présent dans la première cour intermédiaire. This is an intermediate place. The Bamileke people live with their ancestors. But the ancestor is not the person like you or me that you can walk like that and see. It's the reason why we materialize them with the sculpture. If you arrive in the palace, you don't see the living person. It's not good to say they were not somebody there. They were somebody that you don't know how to discuss with them. For example, we have here the son, the dignity who are making the reverence to the king. Here we have a young boy who are making the ritual of initiation to live, to left the young to become a man. And there we have an initiator holding on his hand a stick, a trophy of hunter. Now I call this door the symbolical door. Entre autres choses à retenir de cette cour intermédiaire, il existe dans le royaume Bamileke un pléthore d'animaux sacrés. Lions, panthères, éléphants et autres, tous symboles du pouvoir car brillants par leur férocité. Il en existe aussi de bien banals, mais dont les symboles ne sont pas moindres. Ils gouvernent le quotidien des populations. On peut voir ici, et ce un peu partout en sculpture, l'araignée qui symbolise la divinité et la clairvoyance. La tortue, symbole de la sagesse. Puis le caméléon qui traduit le changement, la capacité d'adaptation, la prudence et même la tempérance. Okay.
Nous voilà maintenant dans la cour des serviteurs. This place is the place of servants. In the past, all the servants of Bakufam were living here. But today, see the condition of life has become too difficult. They return on their home and they came here the first day of the week to discuss who have to help the king in his work during the week. The second rule of this place, when king finished the first part of initiation, he returned in the palace. They don't use the door that we have used, you know. Les serviteurs ici se retrouvent une fois par semaine dans le but de se repartir les tâches. Savoir exactement qui servira à quoi au roi durant les 8 prochains jours, qui constitue le calendrier hebdomadaire en pays Bamileke. C'est aussi ici que le roi, après sa sortie du lac Wark, distribue symboliquement, comme on peut le voir à l'image, à manger à son peuple. Bienvenue dans la cour des forgerons. Avant édification, Paul, notre guide, nous donne quelques précisions sur la conduite à tenir pour la suite. Hey guys, no picture after this door. Okay. This place is the place of blacksmith. There, everything that we do in the life, we need something coming from the blacksmith person. And all the instruments that we see here are still making by the blacksmith of Baku Farm and still using today. And we have some subjects for farm, for hunting, for bush, for kitchen, and another. In the past, when the blacksmith were working, girls didn't have the right to pass to come in front of the men because the girls were considered like empty person. Not because the girls were empty, but because the men were afraid to be disturbed. And they think that in their mind, if they come and pass in front of us, we will stop what we are doing and we will have a negative impact in our subject. Then it's better for them to stay too far of us. And they were working during the period when they were working with the hero. Because we will say that it's not the simple man like that who can make this arrange this instrument and this instrument. And they were asking the because they, it's the God who give them powerful to work and they were working. They asked the protection of the God with the griot. And they were getting married. The blacksmith were getting. La forge a joué un rôle essentiel dans l'histoire de Batoufam. Non seulement dans la fabrique d'armes lors des guerres, mais aussi celle des outils agricoles et bien d'autres. Nous traverserons ensuite la cour des tradis praticiens sans autorisation de filmer. Avant d'arriver dans celle dite d'entre deux règnes. Okay, yeah. We continue. Okay. This place is the place between two reigns. Between the reign of the last king and the reign of the next king. This is the second part of initiation called Lakam. Yes. When you're talking about initiation in the West region, you're talking about Lakam. But in Batifam, first you have Lakam, the first part is outside of the palace. Batifam specificity. Is a specificity. Mm. And you have the second part inside the palace, Lakam. And during the when king arrived on this place, he had to stay around 9 months. And we don't know how long he will stay here. During that period, we don't do anything in the village. Not making farm, any ritual, any celebration, any lamentation. We say, king is died, village is died with the king, and the village will be born with the next king. This is the sacrifice making by the population. For the king, he don't have the right to travel. He don't have the right to see the person that was in love, like his mother, his girlfriend, his friend, and a brother and sister. He don't have the right to stay in the good house. You don't have the right to carry good clothes. During the period that king is here, we build a world where you don't have the right to see this house, even this one. And we build him a temporary house in the bush there. And we tell him that when you become the king, you will not become the king for the rich person. You will become the king for the rich and the poor person. And you have to understand how the poor person are living. And during the period that is here, we have this big statue. This statue has two faces. Because I want to buy one for somebody.
So do you use a stick in between? Yes, we use stick in between. And to use it, we don't use it at the midday like that. Yes. Because it's for some certain ritual. And to use, if you use it in the midday, they will be in the closing place. You just understand the song. When they during the play, that thing is here for him for initiation. Okay. It's the place where he receives his stranger. Because he has the right to receive his stranger. He lives in his house at Bush there, and when somebody come and watch see him, this person come here, he enter on this door, and when he arrives, he call the king. You have another door back of the room, and they come there to discuss. But when they were discussed, there was somebody in front of them. What you will come to say, this person who are in front of them have to understand what you are saying. Okay. Now you can stay up here. No, it's a good thing to see. Oui. No. Come on. La cour d'entre-deux règnes est celle qui associe le règne de l'ancien roi et celui du nouveau. Non encore en fonction. C'est la phase intermédiaire appelée la cam qui arrive après le lakwark. Elle dure 9 mois pendant lesquels le futur roi est retenu isolé dans des conditions des plus précaires. Le village est soumis la période durant à une somme d'interdits qui ne seront levés que lorsque le dit futur roi aura durant ces 9 mois réussi à faire 2 enfants de sexe différent. Une fois ceci fait, c'est par cette porte qui ne s'ouvre qu'une seule fois par règne qu'il sera sorti et présenté comme nouveau roi et jouir enfin de son titre de majesté. Mais il se devra encore, avant d'avoir la plénitude de son pouvoir, de passer 9 nuits dans cette résidence primaire. 9 nuits pour s'abreuver des derniers conseils du clan des 9 notables en tant que roi. Et ce n'est qu'après cette étape qu'il sera officiellement intronisé. Une résidence primaire relookée entre-temps par Sa Majesté Nayan Tukam, faisant de l'édifice la nouvelle carte postale du village. Deux heures d'explication pour édification dans les labyrinthes du musée à ciel ouvert de Batoufam, dont le roi en guise de revoir nous fera l'honneur d'une réception des plus conviviales. Écoutez, j'ai bon souvenir de cet échange, de cette journée, partagée avec ces Américains. Et ça me rassure qu'ils restent contents, qu'ils gardent de bons souvenirs de ce séjour. Alors, au Batoufam, déjà, ils en sont fiers de savoir que les gens s'intéressent à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Et je peux vous rassurer que nous sommes convaincus qu'en gardant cette attitude, cette culture, nous ferons des Batoufam un peu plus fiers, fiers de son existence. Et c'est ce que nous voulons partager avec le monde entier. Donc, si tout le monde pouvait garder les valeurs des traditions, même si on peut dire que dans certains coins, ces traditions n'existent plus, mais qu'on peut toujours reconstituer ou prendre un peu ailleurs de ce qu'on a de positif. Je pense que nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un monde harmonieux, meilleur. Batoufam peut aussi apporter sa petite pierre à l'édification de ce monde meilleur. Thank you.
Depuis son arrivée au trône en 1989, Sa Majesté Innocent Nain Toukam a eu l'ingénieuse idée d'ouvrir les portes de la chefferie aux Batoufam d'abord, mais aussi au monde extérieur, levant ainsi le mythe de la chefferie traditionnelle. La journée s'achève aux grottes de Fauvou. Nous sommes à Baham dans l'arrondissement des Hauts Plateaux. Un petit détour au quartier Banengo Gabombar avant le retour à l'hôtel. Mes amis américains sont à la case familiale pour pousser la chansonnette. La sœurette Charline est à l'honneur. Joyeux anniversaire. In English? In English, in English, in English. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you, Sheila. Happy birthday to you. Yes, yes, español, en español, español. Retour ensuite à Sky Garden Hotel où nous avons établi nos quartiers. Pour un repos mérité au vu du programme infernal de cette journée qui enfin s'achève. Notre journée le lendemain commence par Kwekan. Nous sommes au stade Omnisport de Bafoussam, encore en chantier. Il abritera l'une des poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Oh.
Baptiste le Jeune est très apprécié directeur du stade en personne qui nous accueille. Qui a gagné? Il est avide de foot en même temps. Il était à Lille et on va partir pour arbitrer un match du championnat national. He's the CEO of the stadium. Yeah. Referee also. PPDP. Cassie. Bill, c'est moi. Ok. Homologué, la CAF a officiellement homologué le stade et on l'a baptisé le stade Augusto de Bafsam. C'est un stade de 20 000 places assises avec dossier qui va abriter l'une des poules de la CAN 2019. Le Cameroun va organiser. Donc on va faire une petite visite. Une visite de près d'une heure, guidée par le directeur Brice Talla en personne, qui après les vestiaires nous mènera vers l'aire de jeu. Pour quelques défis et autres séances photo souvenirs. Tu ne sais même pas comment ça se fait. C'est au marathon qu'on fait comme ça. Tu vas voir le noir, qu'on fait. Comme ça. Deux doigts. Let's go. Donne 10 mètres. Vas-y. Oh, vas-y, mais on va prendre. Jeune dame si a failli me faire faire un craquage. Ah, j'ai senti un petit truc derrière la cuisse. Donc c'est le chapeau tout à l'heure se sauver. Oui, j'aurais pu. Papa, j'aurais pu mais... C'est une crampe, c'est, voilà. Je vais prendre une photo. Papa, tu peux prendre une photo sur le stade. Je vous rappelle que les juniors ont déjà joué leur qualité. Ça a été inauguré depuis, inauguré au baptisé. Le prochain point de chute est établi à un jet de pierre du stade de Kwekong. Nous sommes sur le pont du fleuve Noun, frontière entre les départements du Noun justement et de la Mifi. Pour un jet touristique mémoriel qui nous aidera à mieux comprendre l'histoire de la genèse du peuple Bamileke, mais surtout Baleng et Bafoussam. On vous laisse l'écouter. Ok. Parks of America, no guardrail. On va s'arrêter. Voilà, alors, ce n'était pas exactement ici, parce que ça c'est le nouveau.
parce que ça c'est le nouveau pont. Mais il y a un ancien pont en bas là-bas qui en fait représente la genèse. Arrivés à la plaine Tika, ils ont migré vers ici et occupaient l'autre côté du fleuve. Mais avec les peuls qui venaient, avec leurs chevaux, nos armées de chaufferies ne s'en sortaient pas parce que c'est la première fois qu'ils voyaient des chevaux. Il suffisait que quelqu'un ait un cheval. Et c'est comme ça que les peuls les dominaient et les battaient, on va dire, dans cette résistance-là très facilement. Alors, le peuple Bafoussam, le royaume Bafoussam est le premier royaume Bamileke à s'être constitué. Ils étaient de l'autre côté de l'eau. Avec la pression des peuls, on ne sait pas par quel miracle. Et ce fleuve-là, ce n'était pas que ce. Aujourd'hui, c'est devenu très petit avec le temps, l'érosion, les effets climatiques. C'était nettement plus grand et il n'y avait pas de pont. Mais ce roi-là a pu traverser le fleuve avec son peuple. Et la première chaufferie, ça était en train de fond. Il y a encore quelques reliques là-bas d'ailleurs. So, how did they hit the North Cameroon? In the North Cameroon, they kind of descend to come down. But in the North Cameroon, we also have the people that they call the Tika, which is like a Muslim bird. They kind of cover their head, So that is a track in the north. So we were having a lot of issues. The first group of Abenaki that came here was on the other side of the bridge. And every time the bird, people would get at the advance because they have horses. So these people already have horses to like a transportation. And the first Bamileke, when they saw the bird, the name of bird, P-E-U-L, they thought there was a superman or somebody who had power. So but they didn't understand what his horse mean. So every time there was a war between that tribe and a small group of Bamileke people. So every time we would lose the war or we would get killed and that kind of thing. So the first thing that was that actually to create the first Bamileke tribe. For some, they don't know exactly how they were able to cross this river. Because in the past, this river was not this small. It was the time and the climate changing, it dried out. So we don't have the actual river that is here. We were able to cross the river and start the first kingdom somewhere not far from here. And that first kingdom was the sushi. And now, from there, everybody kind of moved On the other side, when we're going to cross this river, we're not longer to the Bamileke tribe area. Those people are called the Bamu, even though we share the same grass field region. They are the Bamu. And you want to say something? I have something. Voilà. Maybe you want to say something. Depuis, je ne fais que leur montrer la queue de cheval. Ils se souviennent, on dansait avec la queue. La symbolique, l'histoire des Bamileke et la queue de cheval est née de ce côté-ci. Le peuple Bafoussam, comme il était le premier à traverser l'eau avant de constituer les Bamileke, ils avaient donc la pression des peuls de l'autre côté. Lesquels peuls étaient des hommes mystérieux à travers leur cheval, comme je l'ai dit. Jusqu'à ce qu'un jour, un soldat de la chefferie arrive à tendre un guet-apens à un cavalier et son cheval. Ils sont tombés dedans et comme le cheval est trop lourd, il ne pouvait pas transporter le cheval jusqu'à la chefferie. Il a coupé la queue du cheval. Il est arrivé à la chefferie, il a dit « j'ai pu tuer un cheval ». Ce ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas immortels, on peut les tuer. Et c'est là où il a brandi la queue de cheval. Oh. Et donc la queue de cheval, à partir de cet instant, le roi donnait le plus grand titre de notabilité à chaque soldat qui revenait
du front, donc de la guerre, avec une queue de cheval. C'est pour ça que dans la tradition bamileke, pour célébrer quelque chose, on le fait avec la queue de cheval. Donc c'est un signe de victoire, de victoire, de force. Okay. Mm-hmm. So remember, at each kingdom, you saw the horse tail. Oh, yeah. And even to the queen, we all hold the horse there. So the story behind it is that because the Bamileke people, the first time those people was coming, they thought it was some kind of superhero, or they were human. Right. One day, one soldier from the Bamileke army was able to kill the horse. And he realized, oh my God, it's something that can die. But the horse is actually so huge that you can carry the horse. So he cut the tail and bring it to the king and say, I have killed one. These people can die like us. This is not the planet here. This is not the planet here. So we can actually kill them. So the king gave him the bigger paddle and the bigger title in the army. And then picked all the army people. You are able to pick one of those people and bring the king as a pair, then the position in the society. And therefore, from that moment, the tail has been the symbol of celebrity, of celebrate a victory. And every time you're going to see it in our traditional dance, you hold it as a power and you hold it as a victory. And that is not something that the common people have. You have to celebrate something like victory. Or you have to be somebody that is the whole thing. We are celebrating New York to have that. L'autre preuve qui démontre à souhait que lorsqu'on parle de la symbolique de la queue de cheval, il s'agissait bien de Bafoussam qui était le premier peuple, c'est que en fait, quand tu veux traduire littéralement Bafoussam, ça veut dire que ceux qui combattaient avec les trous. Donc comme ils avaient constaté que le cheval pouvait mourir, ils faisaient des tranchées. Des tranchées, ils font un grand trou ici, ils protègent et ils partent se cacher. Quand le cheval vient, il pose le pied, quand il tombe à l'intérieur, c'est là où les guerriers sortent pour l'abattre et couper la queue du cheval. So the horse is also the way they decided to start killing them. They make like a hole and then they come and stay in this side. When the horse come, they will jump in it and they can't get out. And that's how they... Voilà, la visite se poursuit sur un ton d'amusement après ce rappel historique. Noël, instigatrice de ce voyage, est aux anges de savoir ses invités complètement conquis par le Cameroun touristique. Et du coup, pourquoi ne pas s'en vanter? Allez, vas-y, vante-toi. Mon pays. Mami Nyanga. Être joli. Alors. Mon pays. Être joli. Mon Cameroun. Est trop joli. Nous sommes sur le pont du Noun. La frontière entre Bamileke et Bamoun. Ouais. Le grand bassin agricole de l'Ouest Cameroun, le grenier de l'Afrique centrale, nous y sommes parce que 80% des produits alimentaires du Cameroun viennent d'ici. Fumbot nous accueillera les minutes d'après pour une randonnée pédestre au Mont Bapit que je vous invite à regarder dans une prochaine édition de votre émission Cameroun Vision. C'est vrai, viens, on prépare les Jeux Olympiques de 2000 comme bien.